Allez les mecs, on va devoir détruire le canon de 88. Putain, ils sont déjà là. Allez, arrosez-moi ça. Arrosez, arrosez, arrosez. J'essaie de les contourner. Putain, ça va être tendu. Ok. Allez, ressort ta tête, toi. Ils ont fait quoi les gars? Ils ont bougé de place ou pas? Côté mort. Attendez, je regarde juste si je peux passer sur le côté gauche. Si c'est faisable, j'y vais. Ok les gars, allez continuer. Peu nourri sur cette position. Je vais regarder quand même si ce con il... Où il est lui? Je sais pas, il est pas là. Bon. Allez, allez, on va essayer de faire ça proprement. Une petite grenade à l'intérieur. Voilà. Boum! Allez les gars, on continue. Feu nourri, feu nourri. Il faut les coucher là. C'est bon? Je les amène ici du coup. Je sais pas s'il en reste là, j'ai l'impression qu'il en reste. Oh bordel! J'ai chaud. Venez là les gars. Oh bordel. Tendu. Elle est où la mitrailleuse là? Allez, on arrose, on arrose. Vous aussi vous pouvez arroser, c'est parti. Par contre, où j'ai besoin de vous là. Venez ici. Il est où ce con? T'es mort. Là-haut, à la rose, à la rose, à la rose, là-haut. Oh, c'est propre ça. Ah, c'est propre. C'est efficace, on va dire. Ah, putain, moi aussi j'ai le chargeur vide. Restez sur le qui-vive. Il y en a peut-être qui se cachent. C'est bon les mecs? Allez, allez, allez! Elle est là-bas les gars. Bouge. Check pam les mecs, check pam. Bordel. Moche. Ramenez-vous! Venez ici! Escouade, rassemblement! Resserrez la formation! On se rassemble tous. Je sais que je peux tous vous appeler en même temps, mais. Je m'en rappelle plus. Rejoignez cette position! On se bouge! Je suis en position. On l'installe là-bas! Ok, j'y vais! Alors, si je peux monter, ouais. Non, non, viens, 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 viens. Rassemblement! Viens avec moi, je sens que ça va péter ici, là. Ah merde, c'est pas possible. Il tue mal à la fenêtre, là. Vite! Installez-la là-bas! Ok, je bouge, tout de suite! Je suis à découvert! C'est bizarre ici, là, c'est bizarre. Oh putain, c'est là que ça se passe, d'accord. Allez là-bas! C'est parti! Donne-moi ton arme, bordel! Non, non! Pas ça. Merci. Allez les mecs, putain. Je peux pas l'installer à sérieux?
Là j'ai aucune précision là. Oh putain, comment ça arrose, comment ça arrose. Ok les mecs, je reprends mon fusil. Rends-moi mon fusil. Il veut pas, pourquoi il veut pas? Ah bah tant pis, on va faire avec ça. On va faire avec ça. Bon les mecs, vous venez. J'ai besoin de vous ici. Zanovic. Oh, la fusil à lunettes. Non, c'est pas de fusil à lunettes. Le mec, il a le temps de regarder les armes et tout. Je peux passer par là. Ok, c'est cool. Hey les mecs, on arrose les positions pendant qu'on se déplace. Pas sympa, merci. Et vous faites-vous plaisir un peu là. Voilà, pareil, arrosé. Moi je vais passer par là. Ok. J'ai jeté une grenade. Allez, j'espère qu'elle sera belle. Ah, c'est propre. Oh putain, c'est pas si propre que ça. Merde. J'en ai d'autres ou pas? J'en ai pas d'autres. Putain, faut que je recharge. J'ai plus de munitions. Ah, j'ai plus de munitions. Merde. Sors ta tête, sors ta tête, sors ta tête, sors ta tête. Baker, mettez-moi à l'abri. Zanovic, tout le monde ici. Allez, une petite grenade par là serait bien. Okay, mec, jetez-la, jetez-la. Voilà, merci. Jasper. Zanovic, tire de suppression sur cette mitraille. Merci. Vous avez. On s'est mis dans une sacrée merde. C'est bon, vous l'avez vu ou pas? Oh, j'ai eu peur là. Bon, on est bien positionné là. Pourquoi tu me dis ça? Je récupère un fusil allemand là. Venez là les mecs, venez là, venez là, venez là. Allez, on arrose les mecs, on arrose. Grenade ici, ce serait bien comme ça pour le neutraliser lui là. Merci. Allez, allez, passe, passe, passe. Donne-moi ton fusil. Merci. C'est pas celui-là que je voulais changer. Merci. Alors voilà, ça fonctionne au moins. Je vais continuer d'arroser les mecs là-haut. Allez, on les couche, on les couche, on les couche, hein. Oh, mais par où tu passes? T'es fou, toi. Ok, j'attendais que l'arme remonte un peu. Oh, je vais bouger. Zanovic, je vais le mettre là. Je veux qu'il m'arrose cette position. Allez, allez. C'est fait. Faudra que j'amène la l'MG ici là. Jasper, allez par là. Jasper, viens ici là. Ah putain. Je recharge, couvrez-moi. Allez. On y va. On progresse. Bougez-vous. Ok l'ami, j'ai compris qu'il fallait une meilleure position. Viens avec moi. Viens là Zanovic. C'est bon ?
On y va. Je bouge. On les a coincés. Jasper, c'est ça. Où est-elle? Une petite grenade là-dedans, ça serait bien. Gagnez du temps pendant que je crois qu'ils sont tous morts. Il y a moyen de passer ici ou pas? Tanovic! Rejoignez la cette position! Pense là-bas maintenant! Dawson! Allez, allez, allez! J'ai reçu, sergent! J'ai bien Jasper! Allez-y, ne vous arrêtez pas! Où les mecs là? Putain, ils ont fait le tour! Oh merde, non! Ah oui, ils sont morts! Putain, je pensais qu'on pouvait passer par là! Merde! Allez, on arrose cette position, les mecs. On arrose. Faut que les copains puissent arriver ici, là. Avec la MG, là. M'arrête de chier, mon gars. Allez, allez, allez. On arrose, on arrose. Merci. Putain, je suis deg. Je les ai envoyés au charbon, quoi. Oh, doucement. Je me fasse là. Allez, touchez-le, putain, ça pète dans tous les sens. Merde, y'a du monde derrière moi. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais aller derrière le bulldozer, mais j'avais pas vu qu'il y avait du monde derrière moi au début. Ah merde. Bon bah, recommence tout, hein. Non, ça va, on recommence ici. Ok. Les mecs, ça va être tendu de passer, là. Redonne-moi mon fusil. Ah non, je l'ai pas, putain, c'est vrai. Faut que je prenne un fusil. Un fusil un peu plus précis, quoi. En avant! Bien reçu! Ne les lâchez pas! Je recharge! Voilà. Ça, c'est fait. Putain, il est en train d'installer ce con. C'est bon. C'est bon les mecs. Ah oh, ils sont juste derrière le... Il faut que l'un d'entre nous bouge. Et... Dawson, par là. Au pas de gymnastique. Je dirige vers cette position. Attends. Les mecs, venez ici là, je vais vous bouger un peu. Venez là les gars. J'espère. Allez, allez, allez. Je sais pas ce qui a pété derrière moi, mais ça a pété en tout cas. Ah oh, putain, c'est le canon. Il est où le canon? Oh, il est à la... Wouh! Il est à l'intérieur de la baraque, sont sérieux. Ok. J'ai un visu ici en fait. Allez, allez. Bon, en tout cas, il tirera plus le canon. Il y a d'autres mecs ici ou pas? Allez, on y va. Tranquillement. Et sûrement. On va recharger. Ne nourris sur ce bâtiment, s'il vous plaît, les mecs. J'ai besoin de vous pour passer là. Faut que personne prenne le canon, les gars. Je veux bien rester planqué, les mecs. Sauf que vous êtes pas foutu de faire le boulot vous-même, donc faut que je le fasse.
Ouh, faut se barrer, faut se barrer. Faut se barrer. On se barre. Voilà. Ça c'est fait. Y'a plus personne à l'intérieur? Non, c'est bon. Faut qu'on rejoigne. Rassemblement les mecs. Allez. Tous ici. Avec moi les gars. En position. Restez ici. Restons groupés. On va rejoindre l'assassin deuxième. Juste un truc toi. Attends. Planche d'armes. Pardon les mecs, je vous gêne. Merci. Et on y va, c'est parti. Prêt. Hey. Par où est-ce qu'on passe, bordel? On peut pas traverser le pont. On va voir si on peut. Ah, ça, on doit passer en dessous là-bas là. Ouais, ça va être ça. Par là. Ok, on y va les gars. Merde, c'est pas par là. Venez. Oh pardon, pardon, je marche sur les fleurs. Eh les corbeaux, on n'est pas encore morts hein. Salut les gars. Quel est l'imbécile qui a balancé les tirs d'artillerie dans tous les sens? C'est pas Mac. On a failli se faire écraser sous un bâtiment. C'est pas Doc. Ah, alors tu t'expliques. C'est pas Doc. Bon, ils se rassemblent autour d'une position solide de canons anti-char au sud d'ici, là où la route fait une fourche. J'ai une colonne de chars qui doit arriver à 9h30. Mais on pourra pas faire la liaison avec la 506ème tant que cet obstacle n'aura pas été dégagé. C'est pour nous. Je vous ai pas demandé de... Mac, j'ai dit qu'on s'en chargeait. Évidemment. Prenez au moins l'un des chars avec vous. Et bonne chance. Putain. Mac, je lui mets la misère. J'ai dit c'est moi qui m'en charge. Alors je sais pas vous. Je fais le bout de l'avion parce qu'il y est pas. C'est pas vous, mais alors cette scène, ce chant là me fait penser au film Fury. Pour ceux qui l'ont vu. Allez, on va essayer de nettoyer ça. Normalement, je dois pouvoir... Ok, je tire dans la paille, ça fait rien. Hey! Voilà, merci. Normalement, je dois pouvoir... Attends, si je dis pas de... Comment je fais? Ah ouais, c'est comme ça, je cherchais. Bon, on va utiliser les canons de toute façon. Hein. Oh, la précision utiliser. Allez, on avance. On va utiliser la mitrailleuse pour les empêcher de progresser pendant que ça recharge. Ah merde, j'ai tiré trop loin. Ah les enfoirés, ils sont dans le creux. Bien joué les gars. Tiens. Est-ce qu'il est mort lui? Négatif. Je pense que là oui, mais bon, on va aller s'en assurer. Ouais, c'est bon, il est mort. Les mecs, c'est juste des ouf. Perso, je vois un char. Même pas en rêve, je cours comme ça dans un champ. C'est bon. C'est pas grave. Il court vite lui. Ah bon, il est tombé. On va continuer notre petite progression. Ils veulent m'emmener. Enfin, j'ai l'impression que c'est un piège. Les mecs sont déterminés, mais ils veulent m'emmener à un endroit. En même temps, je sais qu'il y a plein de canons anti-char d'après ce que m'a dit Mac. Là. De quoi se planquer, ça va être autre chose. Là, on y va. Faut
je fasse attention à mon cul. Surtout quand t'as un Panzer qui est juste en face de toi comme ça. Ouf. Je crois qu'il y a eu du mouvement derrière. Je dis ça, je dis rien, mais... Merde, vite. Ça c'est fait. Donc j'établis la liaison avec la 506ème. On m'avait pas précisé qu'il y avait d'autres Panzers sur le chemin. Voilà. Bon bah pour l'instant ça va, on a le dessus. Et on va passer par là. Jamais si t'as pas un mec planqué avec son Panzer Frost là. Oh putain. Ouf, ça va, j'ai fait tomber. On va rester concentré, hein, parce qu'à mon avis, il va pas falloir grand chose à ce que je me fasse démonter. Bien armé. J'ai vu un truc qui a tiré au canon, hein, je sais pas ce que c'était. Je vais dans le doute, je vais arroser, hein, parce que je sais pas si... la chasse. Allez copains, bah dis donc. Vous êtes tous là, c'est super. Ouh, il y a un canon là-bas. Oh, bien joué le bombardement là. T'as assuré mon gars. Ils battent en retraite, ils battent en retraite. Oh merde, j'ai tiré trop loin. Faire attention, faire attention. Eh ouais, c'est bien ce que je disais. Il est où ce con et son point de verre fausse là? Putain, je suis bloqué. Eh les gars, on progresse. Dans le doute. Ça coûte cher, hein. Un canon, c'est pas grave. Une roquette, un missile, je sais pas comment vous l'appelez. C'est bon, on a été établi la liaison avec la 506ème. Bien joué les mecs. Ce mois de septembre glacial, 34 600 soldats alliés arrivèrent en Hollande pour se lancer dans l'opération Market Garden et faire avancer le front au-delà du Rhin, en Allemagne. Le 27 septembre, les attaques combinées du 506e et du 502e, dont les escouades de reconnaissance de la 101e faisaient partie, réussirent à repousser les Allemands de leur place forte à Kovering. C'est là que les hommes de la 101e apprirent que les forces britanniques d'Arnhem n'étaient plus en mesure de tenir face à la puissance des blindés allemands. Ils avaient tout fait pour attendre des renforts qui finalement n'arrivèrent pas. Les hommes de la 30e Corps, pris en embuscade, abattus, blessés et agonisants, ne réussirent pas à atteindre leur objectif. Finalement, les Alliés furent obligés de renoncer à prendre Arnhem, après avoir déjà enregistré 17 000 victimes en seulement 8 jours. Putain. Mais leur histoire n'allait pas s'arrêter là.
Ce n'est qu'un au revoir. Toujours pas de nouvelles de Hartsock? Non. Ça fait 4 jours, mais je crois que Holden a entendu dire que Corion... que ça allait, je crois. C'est une bonne chose. Ça fait bizarre de perdre, hein? Un peu. Si le 30e corps avait été là à temps... On serait toujours en train de suivre le plan insensé et solide d'un général insensé et solide. Montgomery a été trop gourmand. Quel est le problème? Je leur ai dit. Dis quoi? Pour les guettes. Ce qu'il a fait. Ce que moi j'ai fait. Matt. Je vous avais dit de jamais le faire. Je sais. Seulement quand... Vous devriez aller voir Red. Seulement je commençais à devenir fou donc fallait que je le dise. Allez, on va aller voir notre pote Red. On va voir s'il va mieux. Ah, y'a Corion. Le médecin, Gideon, il veut vous parler. Alors, comment ça va? Matt, depuis le début, depuis le tout début, vous saviez exactement ce qui leur était arrivé. Sam. Tu sais quoi? Arrête avec ça. Arrête de prononcer mon nom stoïquement et d'agir comme ça. Pas maintenant. Matt, on ne combattra plus jamais ensemble. Aïe. Ça fait mal ça. Je vous attendais, sergent. Je dois vous parler en privé. Comment va Red? C'est pour ça qu'il faut qu'on parle en privé. Pas bon ça. Il ne sait rien pour l'instant. Il a surtout passé les derniers jours à perdre et à reprendre conscience. Attendez, attendez, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Eh bien, ses nerfs thoraciques ont subi un lourd traumatisme, notamment la partie inférieure. Cela fait partie de la moelle épinière. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Oh putain. Il est paralysé. Il ne le sait pas. Je voulais qu'il l'apprenne par quelqu'un en qui il a confiance. Lorsqu'il est conscient, c'est de vous qu'il parle, la plupart du temps. Arrête, mon pote. Tu as perdu beaucoup de monde en mon absence. Non. Qui m'a remplacé? Paddock, pour l'instant. Waouh, Paddock. Monsieur tête brûlée. Red. Il faut qu'on parle de quelque chose. Tout le monde va bien? J'ai su pour Fryer. Mais tous les autres, ils vont bien? Tout le monde va bien, mais... C'est de toi qu'il s'agit, vieux. Quoi? Seigneur. Tu rentres chez toi. Tu rentres auprès d'Erma et de Carole. Et tu seras enfin père. Tu feras un père fantastique. Ce bâtiment... Quand il s'est écroulé sur nous... Matt... Tu ne remarcheras plus jamais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Regarde-moi. Rien. Tu entends? Rien ne m'empêchera de te retrouver quand tout ça sera fini. Tu es mon meilleur ami, Red. Est-ce qu'aucun d'entre nous en valait la peine? Oui. Au moins, toi, tu as appris quelque chose. Dur. Comment il va? Zano, pas maintenant.
Tiens, ça me rappelle quelque chose. On dirait que nous avons plus en commun que ce qu'on aurait pu croire au départ. Matt Baker, l'indestructible, en est réduit à pleurer la perte d'un ami. C'est pas pareil. Pas facile à avaler, hein? Oh si, c'est exactement pareil. On se tient droit, mais nos jambes cèdent sous le poids de notre propre culpabilité. L'histoire se répète. Je suis toujours en vie. Je n'en dirai pas autant de vous. Vraiment? Il n'y a pas grand-chose à dire de moi, Matthew. J'étais faible et fragile, et j'ai été détruit par un secret que vous m'avez dit de garder. Je vous protégeais. Une protection comme celle que vous avez offerte à Frankie? Il avait confiance en vous, Matthew. Comme les autres. Mais les autres ne sont plus là non plus. Que vaut votre protection exactement? Ça suffit. Pitié. Ce n'est pas vous qui décidez de l'arrêt. La route est encore longue. Dites-moi, Matthew, vous avez réussi à traverser l'enfer. Que pensez-vous de la neige? J'en fais mon affaire. Où vous allez avec cette foutue arme? Une puissance divine ne vous a pas déjà donné la réponse? Eh ben, je crois que vous devriez ralentir. Impossible, j'ai du monde à voir. Tout le monde me tombe dessus, allons-y! Cela fait 10 jours. Et il n'y a pas un seul homme parmi nous qui n'ait pas donné tout ce qu'il avait. Certains ont donné plus que ça. Nous avons perdu Frankie, Fryer et Marsh. Red. L'effondrement lui a brisé une partie du dos et l'a paralysé. Il ne remarchera jamais, mais il peut encore parler. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé si aucun d'entre nous en valait la peine. Nous avons tous fait des erreurs. Nous nous sommes tous demandé ce que nous faisions là. Et le prix du combat est lourd à porter pour chacun de nous, surtout face à la défaite. Mais je ne bats pas en retraite. Je reste aux côtés de chacun d'entre vous. Je reste ici et je n'en bougerai pas. Et je nous conduirai jusqu'à Berlin si on nous le demandait, et on le fera sûrement. Et je sais que certains d'entre vous ne me font pas confiance en ce moment. Certains d'entre vous s'accrochent à la superstition. Je ne veux plus de ça. Je sais que nous croyons devoir blâmer quelque chose. Mais ce n'est qu'un pistolet! Voilà. Nous sommes tous là, frères, pères, saints et pécheurs. Gardons notre acharnement pour les Allemands. Ben merde! Si vous vous mettez à faire des grandes phrases... Impossible. Qu'est-ce qui fait un bon soldat? Sa tête? Ou son cœur? À suivre. Et ben voilà les amis, la fin de Brother in Arms El Saiwe est arrivée. Franchement c'était un let's play super intéressant parce qu'on a appris pas mal de choses sur l'histoire, sur l'opération Market Garden. Et j'ai vraiment apprécié à le faire, j'ai mis un peu de temps à le faire. D'ailleurs je m'en excuse que certains épisodes ont mis un peu de temps à arriver. Mais en tout cas c'était bien sympa et là ils me mettent à suivre. Et bordel, ça fait depuis combien de temps que ce Brother in Arms 3 est sorti? Et quand sortira le 4? Ben, j'ai bien peur qu'il sorte jamais. En tout cas, ils ont vraiment bien bossé encore sur la scénarisation du jeu et c'est un cran au-dessus de Road to Hill, quoi. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo, ce let's play et même d'autres vidéos. Si elle est jeune.